Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Ce n'est pas vrai, vous en doutez, on se retrouve pour une raison en réalité bien précise. Vous vous souvenez, dans l'épisode 7, nous parlions d'un Balrog, un certain Balrog nommé Targoroth, il me semble. Eh bien aujourd'hui, il est temps de l'affronter. Et je peux vous dire que ça va pas être de la tarte, parce que on va quand même rentrer dans une région de niveau 254, tandis que nous étions dans une région de niveau 58. Je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si on va survivre, je ne sais pas trop comment ça va se passer. N'empêche que la quête est bien disponible et elle est bien là, en énorme. Alors quand c'est une quête avec un losange aussi gros, c'est que généralement, c'est galère. Le fléau de Karnan Targoroth cherche à s'extraire des entrailles de Gorgoroth. Il ne faut surtout pas qu'il atteigne la surface. Il n'y a pas de souci, il ne passera pas. Oh, le clin d'œil. Le clin d'œil facile mais efficace, hein, n'est-ce pas? Allez, bah déplacement rapide, c'est parti. Balrog, nous voici, nous voilà. Nous voici donc pour commencer la quête du Balrog. C'est la quête que j'attendais le plus peut-être, alors j'espère qu'elle va être de qualité. Targoroth, nous t'appelons dans les bas-fonds. Prenez et partage notre gloire. Viens rejoindre l'armée des ténèbres. Viens à nous. Viens. 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 Mais qu'est-ce qu'ils exhument? C'est la mort qu'ils invoquent. Une mort qui viendra tous nous frapper. Ok, donc là, ils ont commencé à invoquer le Balrog, Zog l'Éternel. Il faut donc le défoncer, j'imagine. Il n'y a pas de souci. Il faut tuer les acolytes et triompher du capitaine acolyte. Ok, d'accord. En gros, pour faire simple, il faut tuer tout le monde. Voilà, ça on préfère quand c'est des instructions claires et précises. On est tombé à un endroit totalement random. On voulait pas du tout sauter par là. Oula, mais j'ai un peu peur de tomber dans la lave. Je crois qu'on peut pas de toute façon, donc ça va. C'est stylé là, on se croirait dans les mines de la Moria. Alors, ils sont là-haut. Ils sont là-haut. Merde, je suis un peu perdu. Ok, donc là-bas, il y a une tour avec des archers. Il va d'abord falloir tuer les archers. Parce qu'on va essayer de faire une attaque un petit peu discrète. Parce que si on se tape contre le Balrog de front, je pense que ça va être compliqué. Alors, putain, il est haut le mec. Hein. Est-ce qu'on peut le contrôler aussi? Oula, mais toi... Oh putain. Mais il est gros. Il est moche. Allez, je te prends mon équipe. Voilà, merci. Donc là on a un archer avec nous. 1 sur 10. Ils sont où les autres? Oh, ça peut passer hein, tranquille. Regarde, domination furtive. Les autres ils vont même pas me voir. Voilà. En même temps il fait pas trop de bruit. C'est comme, pas comme s'ils venaient de gueuler comme un gros porc. Mais ils sont un petit peu trop illuminati là. Ils sont trop dans leur truc. Ils captent rien. Oh merde, faut peut-être faire doucement quand même. Y'a quand même le capitaine à 2 mètres hein. Il ne voit rien. Ah merde, là ça va être chaud. Parce que là il y a des Karagor qui se baladent. Ils vont nous griller, ils vont nous voir. Ils nous voient, ils nous ont vu ou pas là? Voilà, ils nous ont vu. C'est pas grave, regarde ça. Venez, 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 venez. Boum, les trois d'un coup là. Allez. Tac, et on va les terminer. Moins 1, moins 2 et moins 3. Voilà. Et du coup là. Et lui, il nous a repéré. C'est pas grave parce qu'il y a, regarde, il y a un autre fût juste à côté de lui. Merde, on l'a un peu loupé là. Viens par là mec. Je reprends des petites flèches. Je vais t'attirer à côté du fût. Et tu vas clamser. Viens, viens, viens poteau. Je suis là. Allez, c'était une flèche complètement ratée. C'est pas grave, bon toi. Quoi? D'où t'es pas mort? Je suis là mec. Putain, j'arrive même pas à lui tirer dessus. Voilà, c'est bon, tu m'as vu? Pourrais-tu me respecter une seconde? Toi t'es... Pourquoi ils meurent pas les mecs? Et du coup j'ai plus de flèche. C'est un petit peu con de ma part là. De rencontrer le mort le plus célèbre du Mordor. Tu as vraiment fait des vagues avec ton anneau forgé en douce. Après ça, il suffisait d'amadouer un peu Targoroth. Maintenant, il remonte à la surface. Et il vient te chercher. Zog. Ok, vulnérabilité, le poison le plus important des dégâts, c'est mort. Peur des brûlures, ça s'appelle pas mal. Et dégâts par attaque à distance, c'est bien parce qu'on a plus de flèches. On va chercher des flèches, bah parfait, il y en avait 4 là. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi je suis maudit? Pourquoi j'arrive même pas à monter sur mon petit astral? Ah mais putain, c'est lui là, putain, il me lance des lance-molites. Ah non, ça je déteste ça. C'est insupportable. Je peux même pas esquiver. Mais descends, je peux pas descendre de ma balustrade, c'est ridicule. On va le faire, hein. On va faire péter le fût maintenant. Bam. Allez, dans ta face. Bon, on a pris un petit peu cher quand même, hein. Toi, je vais te calmer. On est quand même en train de mourir, hein. On est quand même pas bien, on a été en plus grande forme. Allez, exécution, bim. C'est bon, il a plus de vie déjà, regarde ça, on lui a quasiment tout enlevé. Hop là, je te mets comme ça. Et je t'exécute. Bam, putain mais il est naze. Il est ridicule, Zog. En plus il s'appelle Zog. Anti-saut. Tu vas te détendre déjà avec ton anti-saut. Voilà, avec ta lance aussi. Bah voilà. T'es sérieux, t'es mort? Ce n'est pas encore la fin. Il va avoir un QTE. J'éveillerai tous les morts du Mordor très prochainement. Tous les êtres que tu as tués. Et quand ils se lèveront, qui iront-ils chercher? Moi. Et toi? Oh oui, on se recroisera. Quoi? Il s'est barré. Alors là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une tapette pareille, quoi. Bon, par contre, si je peux me permettre. Attends. Toi, là, on t'a vu. Voilà. Regardez sur la map toutes les flèches qui sont là. Je pense qu'il va y avoir un sacré combat, si je peux me permettre. Est-ce qu'on pourrait récupérer de la vie, par contre? Je vais drainer un de mes gars, là. Toi, par exemple. Merci bien de ta solidarité. Et toi, attends, avant que tu passes derrière le mur. Oh, pardon. Je suis vraiment désolé, Johnson. Excuse-moi. Bah ouais, mais t'étais juste devant le mec que je voulais tirer. C'est un peu bêta, quand même. Ouh, il a rien compris. Il se baladait comme ça, il s'est pris une petite flèche dans la tête. Ah, ça arrive même au meilleur. Les autres sont où? Ah, il y en a un là-haut, c'est ça? Lui, il est perdu. Il a toujours pas compris que tous ses potes s'étaient fait défoncer. Bam! Sauter dans la fosse. Mais à quel moment je vais faire ça? Mais je suis pas con à ce point-là. Allez, Gandalf l'a fait, on peut le faire aussi. Sautons dans la fosse. Exactement. Ils vont tous mourir déjà, ça c'est sûr. Mais est-ce que nous on va mourir? Je n'espère pas. Why? What? Bon, ça va fouetter. Ça va fouetter sec. Bim. Ils sont fait one shot. Bah oui, il est clairement trop fort. Si nous avons l'esprit de Carnan à nos côtés. Vas-y, viens avec moi, Carnan. Éveillé par l'anneau, les flammes brûlent. Vous l'avez éveillé. C'est clairement pas moi. Moi, je suis là pour le tuer, en fait. Ah, c'est un gros. Vous l'avez éveillé. J'ai rien fait. Tu m'insultais pas, s'il te plaît. Oh là, il m'a vu. Il va me sniper, le mec. Je suis censé faire quoi là? Bon, il est vraiment très très stylé quand même. What? L'esprit de Carnan, il s'est fait one shot aussi. C'est chaud quand même. Il se fait tabasse. Il faut lui tirer où? Dans le dos? Ok, pas de soucis. Tac, voilà. Ah, ça fait le survival bien, hein. Ah, d'accord, ça lui a rien fait du tout. Il s'en bat les steaks. Si je te tire genre là, ça te fait quelque chose? What? Où est-ce que je suis supposé aller? What? C'est le feu ou le feu en fait? C'est ça, j'ai pas trop le choix là. Attaquer Targaroth avec un tir chargé quand son dos était explosé. Là, son dos était clairement explosé là. Si me permettre. C'est qui? Ah merde, j'ai confondu! Je pensais que le mec de pierre. De bois. Putain. Alors, toutes les zones sont rouges en fait, comment tu fais? Putain, montre-moi ton petit dossier. Oot! Ok, c'est bon. Ah merde, son dos n'est plus explosé. On va se faire discret. Ah, c'est bon là. Voilà, brûle mon gars. Ah, il est pas content là. Ok, cassons-nous, ça va péter. Ok. Wout. Oh, il s'en bat clairement les steaks de moi, c'est plutôt pas mal. Il tape uniquement le mec de bois.
Vas-y, expose-moi ton petit dos là. Voilà. Bam, merde. Bah attends. Merci. À un moment, je pense qu'on va commencer à le vénérer. Parce que là, il fait que le crier dessus. Voilà, ça c'est pas mal. Putain, il faut qu'on change de côté à chaque fois. C'est à peine relou. Tac. Voilà, petit pont. Montre-moi ton dos. Montre-moi ton dos. Putain, mais je... C'est limite, on va se faire piétiner tellement on est prêt là. Voilà. Oula, oula, là. Hey, tu vas un petit peu vite. Merde. Mais arrête. Je vois rien. Voilà. Ah oui, en bas du dos dans le coccyx, ça fait mal. Hein. Putain, alors là, je me suis dessus. What? Le mec est. On voit rien. What? Ce bug de caméra, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Monter sur d'autres Karnan. Pas de soucis, ça marche. On a tellement rien compris à ce qui vient de se passer. Ok, atteignez Targoroth. Pour l'instant, on est en train de le victime. Hein. Je m'attendais un petit peu à mieux. Il est là-haut, il est monté là. Allez. Oula, on voit que dalle là. Ok. Il est où? Targoroth. Où est-il? Putain, il est encore monté? Attends, mais. C'est pas de l'escalade, hein. Par contre, je comprends pas comment le mec est quand même enflammé. Il arrive pas à battre un truc en bois. Parce que si vous avez joué à Pokémon, vous savez très bien que feu contre bois, là, il y a clairement une faiblesse pour le bois. Hein. Voilà, le revoilà. Hop là, QTE. Ça, je suis fort en QTE, mon gars. Bam! Par terre, Targoroth. Putain, mais il se fait victime. Non, en vrai, c'est la déception. Je pensais qu'il allait nous défoncer, mais limite, je suis déçu. Voilà, tac, coup de poing à ta face. Mais regarde, attendez, je suis en train de le tabasser. Mais non, mais il est beaucoup trop nul là. Ah merde, bon là je me suis pris un sale coup. J'avoue, il m'a mis une grosse patate. Il a un bon crochet quand même. Wout ! Un peu là, petit fouet. Ok, en fait il est très si, mais limite il aurait dû être plus gros. Parce que bon. Tac, esquive mon gars. Oh là là, je te transperce le cœur de flamme. Bim. Putain, mais je le tabasse, je l'ai foutu à terre le mec. C'est scandaleux. C'est le Balrog ou c'est pas le Balrog là? Parce qu'en vrai, vrai, le Balrog c'est quand même une créature qui est mais super forte, genre qui est. C'est une espèce de démon que tu peux même pas vaincre. Y'a que Gandalf, mais c'était un exploit. Et là, le mec, on lui met des crochets au calme, quoi. Ah, ça y est, il va peut-être commencer à s'énerver un petit peu. Non, même pas. Est-ce qu'on pourrait pas le dominer? Ce serait lourd d'avoir un petit Balrog à ses côtés, quand même. Triompher. Ok, attaquer. D'accord, donc là, je descends. Karnan. Est-ce que je peux faire un truc genre comme ça? Boum! Magnifique. Ah, c'était beau, ce qu'on a fait. Putain, on lui a enlevé la moitié de sa vie directe, quoi. Ok, son dos est exposé. Ah, son torse est exposé, pardon. Excusez-moi. Putain, Karnan a pas perdu un seul point de vie par contre. Merde. Merde. Ah, si, j'ai. Non! Il est mort! On l'a déjà battu? Non, meurs pas, s'il te plaît. T'es beaucoup trop stylé pour mourir comme ça. Yes! Ah non, ok, c'est bon, il est pas mort, mais. Je pensais qu'on allait le revoir plus tard, mais non. On doit quand même le terminer. Atteignez Targoroth, y'a pas de soucis. On va le chercher. Ah mais j'aime trop cet ennemi, en fait le Balrog je l'aime trop, j'ai même pas envie de le tuer. J'ai envie d'aller dans son équipe, s'il vous plaît. Laissez-moi le rejoindre. Oh. Il va lui arracher la tête. Ça va pas en arracher de tête. Voilà. Allez salut Karnan. De toute façon je l'aimais pas Karnan. Ouah ça pique. C'est sale ce qu'il est en train de lui mettre. Oh. Rébellion. Ok, tranquille Taillon. On s'en fout là, un vieux truc en bois là. Debout. Putain mais pourquoi il se barre genre franchement. Truc de ouf. Ah parce qu'il pense que il nous a tué. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pas de repos. Ah c'est un Drake toi. Pas de repos pour moi. Immortel. Ok là ça sent la basson dans les airs. Elle. On va monter sur le Drake. Une puissance réellement extraordinaire. Ouais. L'esprit de Karnan a vu la destruction de la Terre du Milieu et sa renaissance de nombreuses fois. Elle était là avant notre existence, et elle sera là bien après notre trépas. La quête est finie, là? Quoi? Mais ne s'est rien passé! Y a pas du tout de dénouement à cette histoire! Si nous n'arrêtons pas Targoroth, il s'aventurera hors du Mordor. Dans le Rohan et le Gondor. Ok, est-ce qu'on peut aller le chercher encore ta grotte là?
Ok, on va aller dans les quêtes. On va le chercher, t'inquiète pas. Moi, j'ai bien envie de le revoir, le Balrog. C'est mon ennemi préféré. Alors, Karnan, la flamme glace, c'est Targoroth, Sem, la panique et la destruction dans tout le Mordor. Renvoyez ce Balrog dans les profondeurs. Pas de soucis. Ah, nouveaux ennemis, les Karagors féroces. Ce sont des Karagors plus robustes et plus puissants que les Karagors normaux. Ces bêtes rares sont accompagnés par des Karagors fidèles qui se battent à leur côté. C'est ceux-là, j'imagine. Très bien. Les gars, je vais vous laisser tranquille. Hein, parce que moi, j'ai une petite quête à faire. J'ai quand même un Balrog à tuer. C'est parti, mon gars. La flamme glacée Targoroth sème la destruction et la panique dans tout le Mordor. Envoyez ce Balrog. C'est parti. 25 000 d'XP pour la quête. Je pense qu'elle va être très très hard. J'y compte bien. Parce que mon petit Balrog, j'espère qu'il va pas se laisser marcher dessus comme ça. Déjà, on a réussi à mettre 153 crochets tout à l'heure. C'était un peu trop ridicule. Mais par contre, ouais, parce qu'au lieu de se battre avec des crochets, pourquoi le Balrog il sort pas sa laine enflammée et il découpe l'esprit de Karnan? C'est quand même, c'est du bois. Je ne comprends pas bien. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Enfin, alors là, il y a une musique extrêmement stylée. Très très épique. Je pense que ça va être le combat de l'année. Ouais, je vous écrase, les gars. Excusez-moi, moi je suis sur l'esprit de Karnan. Oh là, on rentre dans une grotte. Ça va être les failles de l'année. Non. Il a fait demi-tour. Quoi? Oh non! Il a le temps de faire pleuvoir le feu. Ouais, il nous a carrément snipé et tiré sur les stalactites. Pour ralentir le ta grotte. Ok, pas de soucis. Pas de combien comme ça? Pas de combien comme ça? Il nous rattrape que dalle, t'es ouf quoi? Il va rien nous rattraper. Non, c'est moi qui cours ou c'est. Non, c'est bon, ça fait tout seul. Nous, on a juste à tirer. Ça va, tranquille, regarde ça, je le stoppe, je fais que stopper. Et qui peut me stopper? Personne. Bah oui, c'est ce que je fais, les stalactites. Non, mais il est mignon lui. Il est en train de m'engueuler alors que je suis clairement en train de remplir ma mission. Merci pour les flèches. Non mais le mec, il est pas du tout en train de me rattraper. Ramasse des flèches, please. Attends, elle a complètement loupé les flèches. Il n'y a plus de flèches. Ramasse les flèches. Ah ça y est, on est arrivé. On va se battre sur le lac, il va tomber des. What? Voilà, c'est exactement ce que je disais. Putain. Il va pas tomber dans le lac quand même, ça serait vraiment ridicule. Voilà le combat qu'on attendait. Ok mon gars. Triomphe de Targoroth. Voilà, ça c'est du vrai fight. What? Hey, Targoroth. Dans la tête, ça t'intéresse ou pas? Ça te fait quelque chose, hein? Tu t'en bats clairement les steaks de mes flèches. Vraiment. C'est genre de manière indécente, quoi. Bah oui, il vient d'un autre monde. Y'a pas de soucis, il est mort. Je vais le défoncer. Où est-ce qu'on doit les tirer dessus, en fait? Oui, bah. J'essaye juste deux secondes de trouver où est-ce qu'il faut le tirer. Ah. Qu'est-ce qu'il va nous mijoter? Là, il faut le tirer dans son torse. Nous éclairons ton abysse. Ah voilà. Et nous éteindrons ton feu. Découpage. Oh. Oui. On a tapé une frappe de l'ombre. C'est le début du combat. Alors, hop là. C'est super dur à contrôler le dragon là. A plus encore prendre de la vitesse en battant les ailes. Pas de soucis. Alors là, il va nous faire quoi? Il va nous fouetter la gueule. What? Ça c'est inesquivable. Ok, faut lui. D'accord, faut lui arriver dessus, faut lui arriver dessus, t'es mort. Hop là, carré maintenir. Bim! Dans la flotte mon gars. Il est mort? Non, quand même pas, c'est trop simple. C'est beaucoup trop ridicule. Ok, alors voilà, souffle de gel. On va se faire ça. Ok, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Putain mais non, ça marche pas du tout se casser, on se fait victime. What? Hop là, esquive. Voilà. Allez, allez. Ok, on s'est pris un gros coup. J'ai lu la gueule. Cassons-nous, cassons-nous. Putain, mais il est chaud quand même là. Atteint les Balrog avec des jets glacés. Comment on fait ça? Là, j'ai souffle de gel, c'est tout ça. Putain, mais il est vraiment chaud le Balrog là. Il est en train de nous victime. Gagner de la puissance pour utiliser jets glacés. Comment je fais? Faut que je lui souffle sur la gueule peut-être avant. Putain mais on prend cher, on prend trop cher, j'avais même pas le toucher. C'est bon là? Putain, on se fait victime. Alors attends, descendre, comment descendre?
Ok, esquive. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a fissuré son truc en dessous de lui là, c'est pas mal ça. Il voit pas qu'il va tomber là. Allez, allez, allez. J'ai lui la gueule. Oula, il va nous fouetter de manière sale. Oh, c'est un dans le truc. C'est le moment d'attaquer. Bah, merci, mais bon là je viens de me prendre 200 000 boules de feu dans la gueule, merci. Voilà, attaque piquée mon gars. Bam. Tourne dans la flotte. Ok, j'imagine que c'est encore 3 fois comme dans tous les jeux vidéo. Quoi que ça va peut-être être plus parce qu'il a quand même beaucoup de vie. D'accord. Un rond pour descendre. Ok, tout va bien. Et comment je gagne de la puissance? Ah bah attends, c'est comme ça. Là je peux lui faire, j'ai glacé là. Boum. Oh, il a pris trop cher. J'ai glacé encore. Moi je bouge pas, je bouge pas. Putain, on est en train de défense. On le met trop mal. Vas-y, gèle-le. J'ai glacé. Why? On a pris 200 000 boules de feu dans la gueule. C'est pas grave. On reste là. On s'acharne. Allez, vas-y, c'est la dernière, je pense. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, les a chopés. QTE. Oh, ça va, il est facile ce QTE. Pas besoin d'être trop rapide. Boum. Ça y est, t'es mort? Pas encore? Ok, il y a plus qu'à le finir, je pense. Ok, ouais, il a plus de vie. Ça va être le finish. Ok, mais nous on est super résistants, on s'en bat les steaks de l'attaque en fait, ça que t'as pas compris. Bon, celle-là on va essayer de l'esquiver quand même minimum parce qu'elle va être costaud, je pense. What? Oh là 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 là, mais on peut même pas esquiver, mais calme-toi! Ça y est, c'est le moment! C'est fini pour toi! Cinématique. Et voilà, 2 points pire, on a gagné 2 niveaux d'un coup, Seigneur de l'horreur. Vous voulez que je vous dise, très honnêtement, ce que je suis en train de ressentir? Je suis triste. Je suis vraiment triste d'avoir battu Balrog. Je kiffe tellement ce monstre. Reviens! Balrog! Reviens! Reviens, frère! Je vais briser la glace pour toi. Regardez, on peut même toucher sa main. Regardez! C'est sa main! Serre-moi la main! Serre-moi la pince, Balrog! On est en train de caresser sa petite main. Ce fut un plaisir de me battre contre toi. Donc voilà, en tout cas, j'ai adoré faire cette quête très 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 stylée. Les cinématiques, elles étaient vraiment impressionnantes, c'était vraiment sympa. Mais voilà, maintenant on va tuer le Balrog. Il va falloir tuer d'autres gens maintenant. On va retourner à nos petits orques. Et on va lui dire au revoir. Au revoir.